Vous allez bien avec nous, Swans, Paul. Swans, quelque part dans le monde, voilà, j'installe vous dire. Et vous dites exactement qui côté lié, qui activité fait tout ça. Mais je vous dis, on a choisi pour nous parler de Lyon, tendance, il y a fait chemin pour nous dire en anglais, freelancing. Non seulement freelancing. Donc, Swans va expliquer exactement qui ça freelancing et comment on va utiliser pour faire l'argent. Ma fille dit non que je veux dire à mes collègues à la mi-janvier, c'est directeur centre. C'est directeur centre Innovative Learning Concepts, même un ballet qui a rejoint donc à la mi. Et vous voulez cette interview à plus publiquement? Merci Jackie, bonsoir Jackie, bonsoir Swans et encore une autre fois, j'appelle toujours faire, nous toujours faire pile promotion pour tout ça que vous êtes capable de faire. Pour faire l'argent, surtout en Haïti, avec une communauté qui est vraiment difficile, surtout avec les difficultés économiques qu'il y a aujourd'hui. Je suis vraiment content de connecter avec Swans. Je pense que nous passons un très bon moment et puis nous apporter un peu d'informations pour tout le monde qui déjà connaît qui ça aille si vous présentez dans la communauté, avec un peu d'informations tout. Pour le monde qui va vraiment connaître qui ça nous porte, mais qui déjà a espéré un peu de bagage de nous-mêmes. Et nous avons pile question que nous allons poser Swans et sur après vidéo ça et nous ne pas jouer pile au portu moyen pour donc nous avons un côté et la banche Swans pour introduire à mon yo et pour dire exactement qui monde qui Swans pour du ballon l'idée de parcours de l'école en Haïti on sait qui est malin en fait la même année. Ok, bon, premièrement c'est Swans Germain Paul. donc moi c'est Swans Germain Paul, moi sorti ni en balai, m'étais fait un pile temps dans Wakapoa. Mon l'école au commencement Kai Kavner, mon l'école tout petit Robolassos, moi jusqu'à présent gagne toujours. Après ça moi t'ai venu l'école Saint-Pierre, après ça grâce avec mon tante, moi t'ai gagne belle opportunité dans l'école Saint-Louis Gonzague. Après Saint-Louis Gonzague, ma tante m'a rencontré aider moi encore une fois pour que moi t'aille l'école pour t'aller aux États-Unis. À partir de ça, il y a des opportunités extraordinaires comme dans la vie que je pense que je n'ai pas sans aide ça. Moi-même, ça moi, je suis en sorte de bon, télétravailleur, un freelancer, pour qu'on y a là. Moi, j'ai presque 10 ans de faire ça, presque. OK? En général. Des fois, je fais un travail blanc, après ça, je vais travailler avec blanc, je vais travailler avec plutôt. Même pensé depuis au moins 2004-2007, j'ai commencé à faire freelancing. Moi, j'ai commencé comme ça avec les copywriters, j'ai commencé à écrire publicité en anglais pour compagnie aux États-Unis. Après ça, j'ai fait un petit temps, j'ai fait un travail sur Google, j'ai fait quelques publicités sur Google à l'époque. Ok, le Google a fait beaucoup d'azo sur Google pour faire recherche et puis il y a des publicités qui paraissent, j'ai écrit des publicités ça autour en anglais et à l'époque, un peu en portugais et tout. Mais qu'on y a là, vrai focus c'est surtout traduction, parce que moi je parle créole, français, anglais, portugais, français, espagnol, français, italien. Donc c'est plus ça qui fait que je vous dis, il y a une possibilité de parler avec nous depuis Paraguay. Moi j'étais en côté que les, moi j'étais Paraguay, n'ayant vu que les Ciudad del Este, c'est une zone qui a trois frontières, une frontière avec Brésil, avec Argentine et puis Paraguay. Donc, on a traversé un pont, mal Brésil, on a pris un bus, mal Argentine. Donc, mais tout ça fait dans l'économie globale qui globalise l'économie, parce que nous sommes freelancers, nous sommes gens qui travaillent à distance. Mm-hmm. Comme principalement traducteur pour différentes compagnies qui sont aux États-Unis, qui sont en France ou bien en Angleterre, mais plus avec des compagnies au niveau qui est plus en Amérique du Nord ou bien en Europe de l'Ouest. Ok, voilà, well, son long parcours m'impressionne par la quantité de langue parlée. Donc, t'as énuméré pour nous la langue parlée soit maman blanc, créole, langue papa blanc, français, langue toton samlan, anglais, langue c'est madame moi, portugais, et puis langue colonie kounia, c'est espagnol. Donc, t'as fait un petit italien. Donc, une technique. Pour faciliter mon appel en langue, c'est peut-être bien au ménage ou bien madame ou qui parle comme ça. Ça a son motivation. Il n'y a pas une technique forcément, son motivation. Parce que là, vous parlez avec parole, vous avez dit de mon langue parole. Donc, ça, lorsque vous avez une relation avec des gens qui sont internationaux, ça fait qu'au même tout, vous avez obligé en sorte d'intérêt dans une culture différente qui fait qu'au même tout, vous venez en pied à prendre. Mais en même temps, tout le monde a dit que dans le monde aujourd'hui,
yon moun ki pa parle en l'autre langue, c'est parce que moun ki pa qui pa connaît utiliser ordinateur, il faut pas à jour. Parce que ils sont moun ki totalement globalisé, ou Boston moins pas quoi il n'a pas ensemble sans problème. Donc compétition gagne c'est pas forcément moun ki en dans pays ou là. C'est moun ki dans l'autre pays qui pa parler langue. Donc faut qu'on parle l'autre langue. OK. Donc on t'a capable dit langue dans le moment ça là c'est un bagage qui ouais pratiquement les critiques sont un élément nécessaire pour même digital parce que tellement le monde a interconnecté oui plus on vous parle il est plus facile pour vous capable de répéter avec vous et certainement mener un certain nombre d'activités à travers le monde. Oui, et des opportunités économiques comparables gagnées sans langue. Parce que langue, c'est une sorte d'effet de levier qu'il fait pour. Le fait que, par exemple, si on parle anglais, ou qu'à Haïti, ou travaille compagnie en États-Unis, ou toucher un Américain pendant qu'on va dépenser en code, par exemple. OK. Alors, on se demande des questions bien spécifiques. Non, et encore vraiment, comme si, comment je. La façon que nous commençons avec l'introduction, surtout la question de langue, parce qu'il y a plein de monde qui simplement senti confortable, surtout en Haïti, le fait que vous parlez créole bien, et puis vous connaissez deux, trois mots français, que vous êtes capable de croquer chaque monde, et puis qui va vraiment ouvrir dans l'autre langue, qui est capable d'espagnol, portugais, italien, avec anglais, qui je dis, c'est de langue vraiment commerciale. Par exemple, on connaît en Chine, avec un aide, vous parlez anglais en pile. Par exemple, il y a une université qui a une bonne bourse en Chine, dans n'importe quel pays, où il y a une exigée pour parler mandarin, ou bien pour parler chinois, je vous dis là, mais il y a une exigée que vous parlez anglais. Ça veut dire que formation de l'université est faite en anglais. Je dis à trois ordinateurs que vous avez utilisé, il y a en anglais. En pile, vous avez étudié informatique, vous n'avez pas vraiment cité comme si vous parlez l'autre langue. En plus, je vous dis, c'est un pont. Par exemple, si vous avez besoin de traverser de l'autre côté, vous avez utilisé l'angle. Que vous communiquez avec le monde. Parce que c'est une très belle ouverture que Swans a précédé sur la question langue. Mais Swans, vous parlez presque quatre langues et vous dites que vous faites cinq langues. Il y a, excusez-moi, Swans, et vous faites un tout petit en italien. Et comment challenge là pour, par exemple, moi-même, entre français, anglais et créole, parfois perdu quelques vocabulaires, mais comment ça vous challenge avec cinq langues? Non, langue, c'est une question de s'organiser, ses capacités de communication d'abord. C'est quoi ça plus pour m'aborder en langue? Parce que l'organisme en langage général sont extrêmement vaste, mais ce qui est fondamental, c'est la capacité pour dire que nous avons comment est pour établir une connexion humaine à mon dans la langue par mon dans le contexte par mon. Une fois qu'on a fait ça, mon gens ont une autre approche à eux-mêmes parce que ont voit différemment de gens qui sont complètement étrangers à lui-même. Donc, moi, je parle en forme de challenge, moi, comme une possibilité, comme une opportunité pour que je m'ouvre l'horizon, pour que je me donne des opportunités que je ne peux pas gagner normalement sans que je ne parle pas de langue. Je parle plutôt comme un challenge, plus comme une sorte d'invitation au voyage, une sorte d'aventure qu'on peut gagner pour que vous découvriez notre culture, notre façon de vivre, notre façon de faire, notre façon de comprendre. Oui. OK. Yeah, ben, je dis, comme si on fait nouvelle, autant dès qu'il y a une situation économique, situation sociale et politique pays, hein, on fait nouvelle, Swans, on connaît qu'il y a une situation politique, sociale avec économique pays. Hein, et, vous pensez qu'il est important pour jeunes, si je dis, d'ouvrir à l'autre langue? Vous pensez que absolument, 100%, 1000%, peut-être qu'il y a ça. C'est parce que, bon, en Haïti, nous pagons produits que nous exportons. Et pensez que connaissance culturelle, connaissance linguistique, c'est quand on sort de produits que nous exportons. Comme tu fais ça en Haïti. Moi, j'étais en Haïti, je quitte Haïti le 20 septembre l'année dernière. Moi, fait 3 ans en Haïti. Et moi, fait 3 ans en Haïti. Moi, pas j'aime chercher un travail directement parce que moi, j'ai une langue anglaise dans même. Donc, en langue, c'est pas seulement, surtout anglais, c'est pas seulement une langue, c'est surtout un outil de travail que lié tout. OK, parce que moi, j'ai étudié l'anglais pendant 3 ans comme Haïti avant de travailler avec des compagnies qui sont autour des États-Unis pour comme traducteur. Donc, je dis à un jeune qui est Haïti, moi, j'ai toujours conseillé de dévouer et passer un temps spécial, des heures si possible, à anglais. Bon, moi, je dis que c'est une histoire très, c'est pour me mettre en contexte pour. Moi, j'étais Dominicani en 2015, OK? Moi, j'étais une étudiante qui était une Dominicaine, qui était un docteur, qui était un pédiatre. J'ai plus que 15 ans d'expérience, responsable de maternité, une grande maternité dans Santo Domingo. J'étais élève moins en termes d'anglais.
Je vais expliquer que je fais de grands voyages, je fais de grandes études. Mais ça qui est vital pour moi. Pendant que je parle avec comme professeur d'anglais, professeur de conversation, je vais parler de ça que, en général, il recevait un salaire d'à peu près de 950 dollars américains par mois, comme un médecin qui formait et qui a formé l'autre médecin. 250 dollars. 950, sorry, 950. 950. Okay. 2015. Ok, moi, je descends là-haut, je suis avec un Dominicain qui sont déportés, qui sont même qui ont tourné la Kaili. Je fais mon offre, je dis que là, je travaille dans le call center, ok? La BD vend produit, la BD fait customer service, elle va offrir 1500 dollars américains par mois. Donc, on a peut-être au moins de 10 ans d'expérience de travail comme médecin, pédiatre, non, gros hôpital à Dominicani, qui sont qui fait dans la classe moyenne déjà tous les mêmes, là pour recevoir 950 dollars américains par mois comme médecin et ils sont formatrices tout. Et puis, on m'a dit que quelqu'un aux États-Unis, qui ne parle pas bon anglais, et bien, moi, ça fait 1500 dollars américains par mois. Par contre, c'est bien présenté. C'est bien présenté. Oui, donc, il y a un peu de nuances comme ça, c'est ça qui est important. C'est juste choisir qui sont à la prendre pour prendre exactement qui ça va marcher dehors. Parce que, question de vous, là, tout le monde va prendre. Anglais. Ok. Pour qui ça dit anglais? Anglais? Parce que anglais, c'est pratiquement c'est langue du monde maintenant. Et tant que, par exemple, époque que français était dominé l'Europe, quand que si t'es éduqué, faut qu'on parle français. Mais quand c'est pratiquement position, c'est-à-dire qu'anglais est comme langue commerciale. Au Brésil, si vous vivez au Brésil, tout près Brésil là, ou dit deux mots anglais, automatiquement, il boit chapeau déjà. Ou c'est obligé, il considère comme classe moyenne déjà. Ou bien, parce que anglais, son status symbol, son sorte de manière pour indiquer classe sociale et au Brésil, par exemple. Juste pour un bon exemple. Donc, pour plus parler de haïtien, pareil, moi, anglais fait que, par exemple, que l'arrivée Brésil, si mon côté, quoi, ma connaît, coupon Zepka en monde, l'on dit, mon deux mots anglais, mon a dû entrer dans le salon Vinchita, on pas comme anglais plutôt. Deux mots. Ou dit de mon anglais, mon anglais t'apprend différemment. Donc, anglais a son, surtout pour nous-mêmes qui sommes haïtiens, qui n'ont pas un bon renommé au niveau global, mais nous avons renommé comme polyglotte, que nous commençons à renommer ça qu'on y a. Lors de vous, haïtiens, ou de vous parler, nous avons l'autre haïtien, tout le monde parle plusieurs langues. Nous commençons à renommer au moins en Amérique du Sud comme polyglotte qu'on y a. Lors de vous, haïtiens, effectivement, pas seulement pays qui est pauvre, mais polyglotte tout. Donc, anglais sont des outils extrêmement vitaux. C'est pas seulement anglais que lié pour moi, c'est profession. Oui, en professionnel. Ça, c'est une profession. Ce n'est pas en langue. C'est une profession. Et après, après New York, soit que au Paraguay, dans le moment. Oui, ma vie Paraguay. Ah ouais? Oui, ma vie Paraguay, Kounia, oui. Oui, donc ça veut dire que c'est pas une langue, parler en quoi pendant ce temps? Je parle deux langues au Paraguay. Il y a deux langues officielles. Une, c'est Guarani, si c'est langue indienne, amérindienne, non même. Et puis, je parle pas espagnol. Tout. Moi, je parle espagnol avec eux. Sons, alors tu disais un mot depuis le commencement, conversation qui t'a attiré l'attention, hein, où tu parlais de télétravail. Est-ce qu'en parlant de télétravail, tu osais penser que tu vas travailler non télé ou que tu vas travailler télétravail, télé à distance. Le mot télé en général, nous avons corrigé si c'est mal, mais en général, le mot télé veut dire à distance. Donc, télétravail, travail à distance. Mm-hmm. Mais en anglais, on dit freelancing. C'est la même, j'en belle, tant que tu sens en anglais, j'en belle, c'est goué. On a vu avec tout le monde, on a parlé avec Swans Germain Paul, qui était bon ici depuis quelques années, qui fait un pile parcours, et qui je dis à la première dans le pays par goué, travaille avec propre, qui comme un freelance. On a rentré directement, on a causé freelance. J'aime ça, un bon créole pour nous apprendre là, pour prendre ça, ça veut dire qu'on travaille comme un freelance. Là, disons qu'on travaille à distance, sont télétravailleurs, sont entrepreneurs, ok, qui préfèrent, qui parlent les fois, qui voulaient, par exemple, gagner capacité pour le travail non secteur économique,
on la vive dans l'autre secteur et dans l'autre environnement économique. C'est-à-dire que moi, je travaille avec des compagnies qui sont aux États-Unis, en dollars, mais moi, je vis dans des pays côté que dollars, pas, c'est pas monnaie. Donc, pays ça moins cher que les États-Unis, mais mon travail dans le système américain, c'est que je ne suis pas en dans le système américain. Que on l'a monté café tout. Oui, bon, pratiquement, sans besoin selon nous. Qui minimum a besoin pour faire exactement ce qu'on fait? Au besoin, ma barre au 7 mètres. Au besoin ordinateur, au besoin courant, au besoin internet, persévérance avec tête. Vous dites persévérance? Persévérance, absolument. Je ne vais pas mentir parce que il y a des jours qui sont incertains, son travail qui est incertain que lié, pas qu'on garantit, mais où on lève, du coup, on sort de effet de levier côté que monnaie américaine, non, fait que ou même qu'on y a, bon, c'est très, c'est bon, mettez-le en contexte. Au Paraguay, par exemple, salaire minimum, c'est 350 dollars américains que lié, 350 dollars américains par mois. Donc, si on joue levé, on fait 100 dollars américains sur Internet, on fait un tiers, presque un tiers, le cob que Paraguayen fait par mois. Wow. C'est l'évreuil, ça m'a parlé moi-même. Yeah. Donc, ça, quel type d'activité vous faites dans ta conférence? Qui vous continuez de gagner pour faire comme là? Qui ça? Tâche pour accomplir, c'est ça, on est là. Est-ce que c'est traduction? Est-ce que c'est traduction? Oui. Il y a plusieurs façons pour faire comme sur Internet. Okay? Moi, je travaille en époque comme hey, copywriter, comme on écrit avec publicité pour compagnie, en anglais surtout. Et on commence à hire, à employer pour écrire publicité, pour libérer des publicités sur Internet. Et puis, on a vendu des produits, on fait ça en époque. Je fais ça en époque, je réfléchis. Mais le moment présent qu'on a là, ça me fait mon travail comme traducteur. Il y a des compagnies. Et des compagnies qui sont aux États-Unis, qui sont agences de traduction. Bon, vous êtes bon, ok, bon, vous êtes très sain. Maintenant, c'est son bon exemple, quand même. Gouverneur Cuomo, par exemple. Comme gouverneur Cuomo, pas vrai? Gouverneur Cuomo, New York. Oui. Eh bien, parce que chaque temps en temps, il y a des communiqués qu'elle a publiés, pas vrai? Eh bien, gouverneur Cuomo, une agence que les gagnants ont accroché avec pour faire traduction. Mais agence, ça, c'est yo hire, moi, yo employé pour faire traduction, ça, pour gouverneur Cuomo. Ah. Par exemple. Bon, bon, on dit où et tout. Au Paraguay. Oui. Un commun de New York. Oui. Ils ont l'agence pour faire la traduction, pour poser des documents pour lui. Oui. D'identifier ou même comment tu as travaillé avec. Quand on est Paraguay. Je n'ai pas travaillé directement pour le gouverneur Cuomo, mais quand pile des communiqués que j'ai publié en anglais d'abord, le business radio de l'anglais vers le créole, c'est moi qui fais le travail là pour gouvernement à travers agence de traduction. On m'appelle directement pour lui, non? On m'appelle directement pour lui. Il y a un middleman, c'est gouverneur comme en premier, agence là en deuxième, ou même en troisième. Ce gouverneur comme pas qu'on existe moi, mais moi-même, je travaille sur le produit, sur ce que je crée. Et ce créole, on traduit à Paraguay. Oui, ma travail comme traducteur, côté que, par exemple, le gouverneur Cuomo mettons en communiqué de presse dehors, je voyais communiqué de presse avant moi en anglais, moi traduit vers le créole. Oui, donc ça veut dire que Yon, qui en Haïti première, qui gagne anglais, je suis capable de traduire anglais à bien, de anglais à créole, il cache ta lame, il va aller côté de mon avec la langue. Tu fais ça. Oui. Question de la première, c'est qui niveau de difficulté vient pour joindre une possibilité comme ça? Ma pour une autre question d'abord, si ça pas dire un jour. Nous avons un problème structurel en Haïti qui est que courant c'est luxe, internet c'est luxe. Par contre, c'est pas une vidéo ça en même temps, mais que si possible, ok, que au niveau internet et au niveau électricité, que bon amélioration parce que moi-même personnellement, d'après Haïti, c'est qu'il y a accès à gagner ça en plus, sincèrement. Il y a plus à prendre la communauté. Donc, pour moi, pendant ce temps, je vais dire ce qu'ils ont besoin pour jouer accès à travailler ça. Il y a deux sites qui sont aussi de ça. Il y a les pros, proz.com. C'est là qu'on va aller pour faire un profil. On mette, so, c'est là qu'il y a les pros, proz.com. OK? Donc, si on parle anglais bien, on n'a pas de problème. On va sur proz.com. On va faire un profil disant que vous avez une capacité pour traduire de l'anglais vers le créole. Mais ça peut le passer après ça. Lorsqu'on crée un profil, il y a deux profils. Il y a un profil qui est public, qui est gratis, et un profil qui est payé.
Donc, si on y a là, ouvre un profil, là, il y a des compagnies qui besoin des traducteurs de l'anglais vers le créole, du créole vers l'anglais, ils peuvent poster des avis de recrutement. OK? Sous site ça, par exemple. Ma bonne site à tout à l'heure. Et puis, où il y a même qui est intéressé à postage là, ou pour aller sur site là, pour écrire, dire pour ça que oui, moi intéressé, mais qui qualification que me gagne, mais qui, sorry, expérience que me gagne comme traducteur, et si vous voulez, me capable même pour tester avec vous, pour montrer que je fais travail là bien. Où il y a fait travail, ou vous voulez ou vous écrire ça pour lui en anglais, vous répondez pour dire oui, on est intéressé, non, pas intéressé. C'est là, effet, persévérance dans l'avenir, parce que ce n'est pas nécessairement que premier, sans jeune, on parle de oui, mais là, on dit oui pour commencer à entrer dans le système américain, pour traverser américain, sans qu'on part physiquement aux États-Unis. C'est la beauté. Moi, je dis que je dis un samedi, examen l'état fini hier. Oui. Pas de l'hôpital dans le pays. Ça veut dire qu'on jeune qui a étudié médecine, Kounia, c'est peut-être dans la ville de province pour t'aller pratiquer, aller bailler soin avec des gens qui vraiment pas un piastre, dans vraiment un engagement haïtien pour payer. Un jeune qui sortit l'examen hier, qui a fait le même travail avec, dit un, deux, trois, ça a supposé faire pour la même niveau. Ça. Première condition fondamentale qui pratiquement pas négociable, c'est apprendre à parler anglais bien. Ça, on ne peut pas négocier. Pas négociable. Pas négociable. Wow. Et pas négociable parce que toute communication par avec des compagnies États-Unis, ils parlent en anglais automatiquement. Donc, il faut qu'on prenne quand ils font une bonne phrase en anglais. Il faut qu'on prenne pour qu'on prenne un téléphone pour parler avec nous en anglais. OK? Donc, anglais, c'est pas, je vais répéter ça encore une fois. L'homme n'a pas appris anglais, on pas apprendre anglais, on va prendre un métier. C'est pas une langue, c'est un métier. Donc, soit apprendre bien, il fait que, ou il y a possibilité pour que vous font, disons, bon, ok, je vais mettre plus clair toujours. Combien de cobliers qu'on y a un docteur fait en Haïti, un docteur général qui est généraliste en Haïti? Bah vraiment qu'on est, mais peut-être qu'il est capable de faire. Pour me faire une idée, parce que je me parle avec Youn. Il dit que je suis capable de tromper, mais je suis corriger. Il n'y a pas de 35 000 gouttes, 40 000 gouttes qu'on s'en pas. OK? Généraliste. Je pense qu'il y a environ entre 50 à 60 000 gouttes pour. OK, mais mettez 60 000 gouttes. 60 000 gouttes, ok, je vais mettre le tout bas, ok, 60 000 gouttes, 12 000 dollars américains, combien d'américains ça fait aujourd'hui en termes de taux du jour? 647 dollars, 645 dollars américains fait 60 000 gouttes là. Pardon? Yeah, il fait 645 dollars américains par mois comme un docteur généraliste. Comme son café sur Internet, son travail sur Internet, sans problème. Yeah. Si on parle anglais bien, ou café comme ça. Oui. Donc, Swans, on est d'accord avec moi, honnêtement, que l'anglais a seulement pas suffi. Il pas suffi, mais c'est condition fondamentale. Ok. Quand après anglais, qui est ce deuxième bagage que nous avons besoin? Ou bien qui est ce troisième bagage que nous avons besoin après anglais? Besoin d'ordinateur. Ok. On a besoin d'ordinateur parce qu'il faut qu'on ait en mesure pour entrer sur l'ordinateur pour qu'on travaille, pour qu'on tape bien, pour qu'on tape bien par exemple. Parce que vous avez sur un texte pour qu'on tape sans pas gâter le clavier par exemple. On a besoin de bon internet. On a besoin de bon internet en général. Ça n'a pas de problème. Ça n'a pas de problème. Parce que je me dis qu'il y a des avec Nikon. Ok, il n'est pas stable suffisamment. Il n'est pas rapide suffisamment. Et on a besoin d'électricité. Ce n'est pas de base dans notre pays. C'est ça qui est en vente, des fois. Excusez-moi si je ne parle pas comme ça. Dans le pays d'Amérique du Sud, électricité Internet, ou qu'on a son place publique, vous mettez free Wi-Fi. En Haïti, même si on paye 55 dollars américains, pas de baoul. Donc, je ne vais pas entrer trop fort dans le sujet. Ça veut dire qu'on a besoin de bon anglais, on a besoin de laptop, on a besoin de courant, on a besoin d'Internet. Quatre bagages sont besoin, fondamentalement en termes de structure. Ok, rappelez-nous un tout petit avant même que. Pas de problème. C'est proz.com. Proz.com. Proz. Oui, puis quand on a les Translators Café, c'est T-R-A-N. Ok? Translators. So T-R-A-N-S-L-A-T-O-R-C-A-F-E.com. TranslatorsCafe.com. Vous pouvez m'écrire là, s'il vous plaît.
Oui, non, pas de problème. Non. La poste est l'aide après. L'autre question, je viens encore, à part de traduction, l'autre activité qu'on fait encore, qui à peu près même la même catégorie. Internet. Moi, je travaille comme sorte de créateur de publicité sur Google. Ça ne va pas faire encore parce que Google a changé de loyau. Ok? Je compte que si tu veux chercher un bail sur IT, dans l'autre domaine, ou alors sur Google, tu tapes un mot et puis publicité vient par là, tu fais ça comme travail. Moi, je compte, ce qu'on est capable de faire sur Google, que je ne peux pas faire moi-même, c'est coding. On est capable de coding. Si on fait coding bientôt, on a une possibilité pour qu'on non paye tiers mode, de quoi IT. Programmation. Pardon? Programmation. Programmation ordinateur. Oui. Si on fait programmation ordinateur, quand on programmer des logiciels, eh bien, on est capable de joindre des emplois. Et je ne sais pas si tu as un côté qui est capable d'aller comme un codeur, comme un programmeur, pour joindre des projets pour travailler sur. Mais plus fondamentalement, je ne sais pas moi-même, mais ça qui passe. Internet, ce n'est pas seulement Internet. Internet, c'est un marché que lié. C'est un marché globalisé que lié. Donc, si tu as un anglais, par exemple, il y a des produits qui sont disponibles dans leur pays, par exemple, ou un site pour prendre un site comme Alibaba.com, par exemple, ou Amazon, par exemple. OK? Mais eBay, par exemple. Eh bien, à partir de l'Internet, bon Internet à partir de votre téléphone, non? Bon Internet qui est sur l'ordinateur, là, eh bien, vous n'avez pas la capacité qu'on a pour faire deux bagailles. Ou qu'on prend des produits en Haïti ou vendre vers l'extérieur. OK? Oui, parce qu'on a des produits, par exemple, des peintures qui viennent de Bola ou ya. Ou qu'on va, par exemple, offrir ça sur Amazon, ou qu'on va offrir ça sur d'autres sites, même sur même Facebook à offrir, même si nécessaire. OK? Pour que qu'on a commencé à jouer une source de revenus. Si, par exemple, ou du coup, ou Haïti, ou t'as aimé par exemple commencer à entrer dans le domaine tourisme, par exemple, encore une fois, avec Internet, avec un laptop, avec anglais, ou café photo, zone la Kaiwa, et puis montrer mon nom, sorte de tourisme, ma qu'on est artisanal qui est disponible dans la zone. Donc, avec Internet ou pas en dehors, et sans Internet ou en dehors. ou très ferme sur ça, ouais, mais c'est même parce que. Non, il ne peut pas négocier. Il ne peut pas négocier parce que l'anglais, c'est lingua franca. C'est une langue universelle liée qu'on y a. Papa, que soit côté les petits, deux mots anglais avec des gado. D'une manière ou d'une autre. OK? Donc, anglais, il est fondamental parce que chinois parle anglais, brésilien parle anglais, il ne peut pas parler naturellement, mais il connaît que son outil de travail, que son outil de communication globale, son outil de travail. Très bien. Une appréhension peut-être bien, c'est est-ce que par rapport à tes capes de travail, vous avez signé de ne pas toucher, de ne pas payer? Comment ça est, comment expérience là? Moi, j'ai fait expérience ça peut-être une ou deux fois dans ma carrière comme freelancer, ok, surtout dans le domaine de traduction. J'ai une compagnie qui est dans une zone égyptienne, peut-être qui n'a pas payé une seule fois. Ça, mais comment ça est d'abord au monde? Si on travaille comme traducteur, éviter quand mal parler mais Abdul j'aime penser Léa en général éviter compagnie qui en Europe de l'Est okay? Éviter compagnie qui en Afrique en Amérique du Sud ok éviter qu'une compagnie qui en général en Afrique tout sauf peut-être Égypte bah qu'on est ok alors tu as dit Samzoula il y a des zones qui un petit peu grises côté que il y a une culture qui pas forcément est culture américaine transparent. Que quand on parle du rapport après, mais moi-même expérience PAM, 99.99% compagnie américaine a payé. Parce que une réputation pour Kimber parce que vous capotez plein sur internet pour eux. Ouais. C'est pas bon pour eux. Mais une compagnie qui en Russie, une compagnie bah connaît qui en Tchécoslovaquie, vous portez plein de problèmes pas. Mais une compagnie qui aux États-Unis, vous portez plein, il y a une compagnie Capoel, une compagnie la fait bruit, il y a pas besoin de problème ça. Par contre, si on ne peut pas aller loin juste, mal vous présenter peut-être, faites comprendre que New York, puis vous d'ailleurs, de l'autre côté. Oui, mais il n'y a pas capable de vérifier. C'est-à-dire que quand vous avez un sous-site, vous avez un téléphone, vous avez un téléphone qui peut mon téléphone aux États-Unis, vous avez un téléphone qui peut mon téléphone et comment dirais-je, téléphone dans l'autre pays, vous avez fait différence. Hein? Et puis tout, l'autre possibilité, c'est que, bon, mon expérience PAM, dans ce sous-site, par exemple, posant, mon côté, il y a évaluation de compagnie. Yo. Donc, avant de travailler avec compagnie dans le domaine de traduction spécifiquement, ou qu'à ce site-là, comme on paye, comme un abonné qui paye, et puis, ou analyser
évaluation qui est sous compagnon pour eux, réputation compagnon qu'on pas payer mon normalement. Sur les outils gouvernement pour éviter que mon passe sous. Oui, et tout ça aussi des techniques tout qui est important pour les maîtriser et n'avoir après nous tout disponible pour répondre aux questions. Oui. Son vidéo n'a pas tenu à la parole, mais après ça l'a fait une vidéo. Nous avons gardé la possibilité d'écouter directement une carte notre transféré ici au Blau. Je sais que ce n'est pas la dernière fois qu'on a parlé, on a des possibilités de toucher sous avec beaucoup plus de détails et quelques aspects de la question freelancing. Mm-hmm. Donc, aujourd'hui, nous connaissons des étudiants ici à la mise de machine italienne qui sont composés dans le philo. Ça qui est notre plus abonnant, c'est entrer. Tout d'abord, c'est à composer dans l'école de médecine. Composer, madame. Arriver et réussir et puis passer, aller admettre tout le bagage et puis après on finit à l'émission pour pouvoir toucher l'argent de dire. Mm-hmm. Voilà, qui a de la type vous pensez qui gagne ou en pile dans l'étudiant ça? Bon, moi-même, comme entrepreneur global, je pense que soit Haïti ou obligé de venir entrepreneur global, ou pas le choix pour mourir. Bon, si m'exagère. Comment t'as défini? Entrepreneur global? Bon, l'homme était entrepreneur global, c'est-à-dire qu'on n'a pas un grand moyen économique dans le monde, mais une mobilité extraordinaire. Je vais aujourd'hui, là, je vais parler de l'avoir de Paraguay étant, et bien, dans 15 jours, je vais à la Colombie. Pardon? La Colombie pour aider. Oui, je vais faire quelque chose de Colombie tout. Okay. Yeah, par contre, Colombie, comment le pays a fonctionné, comment l'économie est, bah, et ça. Donc, entrepreneur global veut dire qu'il y a un income qui n'est pas lié à pièce zone. C'est-à-dire, revenu gagnant, pas dépend de qui, presque aucune économie physique locale. Ou presque tant qu'on pas gain capital, yon compagnie, tant qu'on compagnie transnationale, tant qu'on Shell, mou gain mouvement Shell. Parce qu'on pas gain border, ou pas gain frontière, ou sans frontière. C'est ça m'a défini comme un entrepreneur global, c'est-à-dire qu'on pas gain grand moyen économique, non, mon capital économique n'a pas fort, mais à cause du capital intellectuel qu'on gagne et de compréhension qu'on gagne du fonctionnement du monde, ou extrêmement flexible, ou prêt pour jouer des opportunités que d'autres monde qui chitent dans un pays spécifique, pas de gain. Mais évidemment, le plus facile pour un monde qui va nécessairement être tout, pour être l'autre monde qui a traîné avec, en tout cas, je n'ai pas compris où aller. Par exemple, je dis à à voler n'importe côté. Pardon? Non, mais je dis encore voler n'importe côté parce qu'on passe spécifiquement. Voilà. Parce que le revenu ne dépend pas de l'économie spécifique. Il y a là. Donc, c'est ça qui parle. Swans. En parlant de mobilité, est-ce que mobilité pauvre, parce que ma pose est question toujours dans le cadre de guitare, mais venir en télétravail, même j'en sais avec, en freelance. Est-ce que vous mobilité pour la vie personnelle ou bien la vie professionnelle? Oh, bon, par contre, c'est ma bien bonne question, mais je pense que à tous les deux niveaux que moi, personnellement, pas gagner obligation en termes de marier, timon, pas gagner madame Kounia, donc pas gagner timon du tout. Donc, personnellement, un petit peu libre, ok? Et bon, les professionnels, tout, parce que j'aime bien expliquer là, moi, pas gagner des. Moi, je suis capable de cours anglais, par exemple, par go, je choisis pas de cours anglais, par go, parce que moi, pas avec des liens. Et trop direct avec l'économie paraguayenne. On préfère observer l'économie au lieu que moi entrer dans l'économie directement. Bon, tu me poses une question bien. Yeah, bien sûr. Donc, on va continuer. On doit dire que, bon, l'autre aspect de la question, peut-être que c'est normal. On passe pour haïtien, par exemple. OK? Bon, parce que j'ai combien de cas avec un passeport haïtien. Mais même si on passe pour haïtien, je pense que la mobilité a toujours été. Si qu'on a une capacité pour faire, pour produire comme sur Internet. Parce que, puis, faut payer, c'est, et comme tu as dit, le moment qu'on a montré qu'on a une certaine type de solvabilité économique, il n'y a pas de problème à avoir. Ça me dit, non? C'est important. Et, je pense que nous avons une bonne partie dans l'idée pour un concept ça, qui est un peu nouveau, ou un peu comme qui avait gardé dans le monde, qui n'a pas bien pensé que tu es capable. C'est la recherche, la dernière. Et l'autre question, c'est pourquoi
il y a payé en dollars. Oui. Paiement en fait. Qui peut-il aller pour toucher? Il y a plusieurs façons pour faire un paiement. Il y a plusieurs façons pour payer. Ma bah, y a un site qu'on connaît déjà que les PayPal, par exemple, par exemple, les beaucoup ouvrir Haïti, PayPal.com, il faut payer, sauf Haïti pas gain, vont peut-être qui ça. Gain Western Union, gain MoneyGram, gain Bank, donc tout. Il y a plusieurs façons. Donc, on gagne PayPal en général, qui c'est qui permet de faire des transactions internationales au niveau global pratiquement. Ok. Ou bien Western Union ou bien MoneyGram, côté qu'on est capable de voir cash par directement, ou bien client information côté ou bien, puis vous voyez comme là-bas. Si vous préférez tout, vous voyez un compte ou sous compte bancaire, que vous voyez comme sous compte bancaire, moi en Haïti, par exemple, vous voyez comme sous GBAN, vous voyez comme sous compte bancaire. Oui, alors, bien quand on mentionne Haïti, parce que le fond, on connaît tout à un point où c'est la star basse de base. Oui, pendant 3 ans presque. Ah, au bas, j'ai toujours fait ça. Et puis, vine toucher carrément dans Western Union, mais on va aller retourner à ce qu'on va faire. Absolument. Fais une tonne, allez. Oui, yes. Donc, c'est pour nous faire réaliser que ce n'est pas parce qu'on parle que c'est possible. Non. Et ça qui est avantage dans le pays étranger, c'est que Internet garantit, courant garanti. Yeah. Moi, Haïti, bon, toute histoire. Haïti, moi, je ne sais pas, bon, c'est très simple. De la Scarbas, et en 2016-2017, quand j'ai été en haut bout, pas de gain courant pendant 3 mois. Chaque jour, je prends un gallon de gaz, je lance entre ville là, je chasse la moyenne, je prends un gallon de gaz, je m'achète un gallon de gaz, je monte la communauté de l'Andel, quoi, 4 étapes de travail. Yeah. Donc, ça c'est pas peut-être borné à la circonstance. Non, c'est-à-dire que il est très, très flexible. Du moins que ou gain courant ou gain internet ou dans business si que ou gain capacité m'a répéter encore une fois parce que mon connon parce qu'on doit faire anglais non m'a tout dit clairement avec anglais a, ou déjà gon métier c'est comment on va vendre produit qu'on gain en monde anglais a son produit question c'est comment on va vendre à qui par exemple Haïti de café quoi anglais pas fait quoi anglais Haïti parce que prix offrant pas valider connaissance que me gagne ou pas valider le mode de vie que me besoin gagne. Tu as fait des cours anglais en termes de aide sociale, c'est-à-dire que tu as allé dans zone qui défavorisée et puis mettre les connaissances à service mon ça parce que connait pas moyen pour payer du tout, on fait comme œuvre sociale parce que tu recevoir dans même tout moi-même. Mais m'a pas bien travailler à Haïti comme professeur d'anglais pour m'a connait 40 dollars haïtiens par heure. Oui, c'est très important. Et quand on vient sur ça, la question de bien accès à l'électricité, bien accès à Internet, coupe sous business. Yes. Et c'est exactement ça, nous, du côté nous, là, dans l'INC, Innovative Learning Concepts, mis en valeur, nous avons accès à tous les deux bagages en sortie. Et nous qui avons suivi, c'est qu'il y a une interview qui a fait entre Paraguay avec Haïti. Mais là, je dis, c'est pas Port-au-Prince. On a parlé en dehors Port-au-Prince. Parce que c'est mieux balai pour aimer Kounia à la moment, on a parlé avec Swans qui parle. Ça veut dire que, oui, mais ça, c'est le temps nous en parle. Parce que, en dehors Port-au-Prince, nous, là, nous, bon, on va changer test en effet matin à la nuit pour débattre nos mètres. Au moins 40 et 50 mètres. Ça veut dire que nous avons une connexion qui permet que la fête. Et change ça sans qu'il ne pas campé. C'est presque connexion, ça nous met tout en l'air. Donc, c'est un moment où nous avons fini là, dans l'IRC. Lorsque nous suivons et depuis ça, connecté avec nous, là, c'est 42. 42-24-42-18. C'est comme tout le 40-01-26-26. Bien sur WhatsApp, dans 508. 577-24-42. Nous utiliser Internet là et permettre que nous bénéficions de tout bagage de la vie. Puis après l'anglais, parce que nous avons fait pour l'anglais. Et puis deux, il y a une possibilité pour travailler avec nous et soins avec nous. Je pense que nous avons un point pour nous capables de camper et échanger la police. Et nous avons un point là. Mais ce n'est pas la dernière fois que nous dit qu'on va parler avec nous, on va retourner encore pour entrer dans la prison. Je vais ajouter ton bagage. En plus de traduction, ou capable de faire comme interprète tout à travers l'Internet. So, en plus de traduction manuelle,
capable de des projets côté que aux compagnies grand monde qui États-Unis qui parle école mais qui parle anglais bien et bien ou même qui Haïti si ou qu'on parle anglais bien si ou gain courant si ou gain internet et bien capable comme traducteur pour monde ça États-Unis ou fait comme ça ou bien souvenir là parce que le bon programme co-working space non pas comme ça OK parle c'est parce qu'on travaille on sont freelance nous gain programme co-working space pour une cabine là placer laptop non ou dans bureau là il y a accès à internet il y a accès à courant nous connecter sur courant et acheter en même temps nous avons un backup énergie solaire ça veut dire qu'on pas de problème excusez-moi vous très très bons outils non parce que dans pile monde tant que moi-même envers nos pays si ça offert chercher des co-working space des espaces de co-travail pour que je connais que courant garanti internet garanti et puis gain la paix évidemment mais soit gain dans mon respect au même ou publicité pour lui au niveau global parce que quand vient des monde qui viennent passer à Haïti qui capacité bon là pour payer on frais pour que utiliser parce que sont bon bagage gain dans là félicitations bon travail certainement et comme toujours même dire là nous nous phase évangélisation parce que c'est prêcher la prêcher mon yo qui sa technologie a parfait. Donc, il y a un programme pour gagner, c'est salon du numérique. De là, il y a l'innovation du plateau central, c'est un événement qu'on fait. Pour exposer les jeunes professionnels dans le plateau central, là, pour commencer. Parce que l'idée, c'est permettre que l'autre zone de pays bénéficie de même magasin. Mais dans le plateau central, là, ça nous fait, c'est faire jeunes nous rencontrer ensemble annuellement et puis inviter des experts. Dans chaque domaine qui est pour nous avec informatique, bien innovation, bien entrepreneuriat, mais nous ensemble pour faire comprendre que bien accès à Internet, il n'est pas simplement dit non, pour poster plaque de messages, bye blague, ou bien mettre des photos de nous sur Facebook. Mais vous ne pouvez pas faire de bagarre, vous ne pouvez pas apprendre, vous ne pouvez pas travailler. Donc, bien content que chance à nous faire la réponse, mais on a mis l'accent sur le fait que ILC, innover de les concepts, c'est exactement ça que nous vivons en Haïti. Nous établissons dans le même balai, ce n'est pas la même vérité seulement. Nous voulons aller bien loin, nous voulons faire tout le pays à connaître, gagner une façon pour nous de faire travail, pardon, une façon pour nous de travailler, pour nous gagner de l'argent avec la famille à travers Internet. Donc, c'est vrai, l'État gagne une responsabilité en termes de mettre l'infrastructure en place pour faire les bagages. Il y a là, nous-mêmes, en tant que citoyens ordinaires, nous avons permis de corriger ce bagage. Il y a assez de travail pour chaque monde job dans le Parlement. Il y a assez de travail pour chaque monde jouer notre travail. Nous voulons développer des entrepreneurs tant pour nous-mêmes. Et freelancing, c'est une possibilité pour nous avoir le même travail au cap. La bas dit comme ça que soit faire son très très bon travail parce que et pas peut-être tromper mais je pense que futur Haïti par dépend de l'entrepreneuriat parce que ressources naturelles nous presque fini nous très peu et nous avons ressources humaines qui sont disponibles mais faut nous capable faire soit faire quelques ou des gens qui préparés pour faire compétition au niveau global pour vendre des produits, des connaissances au niveau global, pour aller au-delà de Haïti, au-delà de frontières que nous avons. Parce que nous avons plus jeunes, nous avons plus ressources naturelles, et humaines. L'Oual Dominicani, quand plus côté à l'Israël, je dis que domaine, par exemple, domaine tourisme, c'est haïtien presque supporté en termes de niveau linguistique, au niveau structurel. Dominicain, on fait Kaila, mais sans haïtien, on n'est pas capable de faire traduction pour vous. Donc, son richesse que nous avons nous exporter, nous mal exporter seulement. Certainement. Et que le travail va faire pour nous capables de m'exploiter là dans le futur. Oui. À la main, vous gagnez un commentaire, une question. Ok. Donc, je vais vous finir avec l'échange là. Je prends le dernier mois, ce qui s'appelle. Bon, premièrement, félicitations. Deuxièmement, nous avons conseillé pour faire publicité pour travail, espace court, qui ne passe pas contre moi-même. Ce sont des acquis vital pour tout le monde qui est dans le coquet, même j'avais. Moi, je trouve que on fait un travail extraordinaire et que mes espérons continuer ce travail là. C'est un monde ordinaire mais qui fait un travail extraordinaire, ok? Parce que nous c'est haïtien, a toujours été haïtien. Donc, bon côté faut que nous fassions bagarre pour Haïti. Et je trouve que ce soir, aujourd'hui, je suis toujours prêt pour que nous collaborer dans le niveau qui est possible pour ça, nous. Et peut-être le vin haïtien, comment passe-t-il?
Très content de recevoir Swans et je pense que vous même qui parle d'Haïti, pas en cœur du pays. Je toujours dis ça, c'est Haïti. Le problème, là, c'est l'oublier Haïti. En fait, chaque pays mondial. Oui, pas seulement ça, même pour dire, monsieur, que en Haïti, il y a la fuite des cerveaux, nous avons la conservation des cerveaux à l'extérieur. Parce que je ne sais pas, pas obligé d'entrer dans la politique, à jouer, à bouler caoutchouc. Mais on vient qui sorti à travers la bien indépendante économiquement le cas d'Haïti kounya parce que cerveau parce que leur cerveau est en Haïti net directement li rabi li kokobel pas développé oui donc que le monde t'a venir au bar l'autre porte de sortie mais on qui quitte Haïti quand même dans pays extérieur c'est pas un perdre oui et donc je vois c'est pas quitte Haïti problème c'est oublier Haïti parce que il pense que une bagarre pour gouvernement haïtien. Qui avantage et qui bénéfice nous avons vraiment même diaspora, même diaspora. Moi-même, par exemple, je fais tout le temps sur le terrain, mais par un moyen de quoi on est passé, on sait que nous, qui est engagé dans la vie, c'est montrer pour nous aimer le pays. C'est-à-dire qu'après tout le temps de prière, nous voulons tout mériter. Ou même tout le monde qui est paravé dans la Colombie, moi, tout ce qui est pour l'État avec nous. Déjà, pour mettre le retour dans la vie, passer visiter nous, ou vous voulez aider. Et nous avons une structure en place pour permettre qu'on aide même souvent la vie. Donc, c'est ça qui est important. Ce n'est pas qui les pays a problème, non? Mais c'est qui ça nous a pas fait avec connaissance là dans notre droit, avec peut-être, si vous cherchez une possibilité à accumuler, pour notre idée, bien capable tout le monde, pour moi-même, bien aidé, ma travail qu'on est à l'air, avec une manette, mais ou même, on n'a pas de possibilité pour tout le monde, mais pour nous, on n'a pas continué à aider. Donc, vraiment félicité, et attitude pour vraiment félicité, des autres pour continuer à pays. Je pense que dans le premier contact, le nom de parler encore, c'est une session formation pour avoir facilité pour nous. Il n'a pas tant gagné, d'arriver même pour 3 ou 5 minutes, vous voyez une vidéo par nous, pour dénoncer et si tu as fait aller ça dans une branche, dans la bibliothèque municipale, au moins tu es capable de jouer en vidéo. Et montrez-vous exactement, il y a un petit permanent qui déplace, mais toujours l'aider, et bailler, partager avec l'activité pour faire tout le monde. Moi, je me fais ça, parce que j'aime de la technologie, c'est parce que je ne sais pas seulement mettre une petite photo sur Facebook. Je dis à Internet, c'est un marché, lui. C'est un marché qui a des billions, c'est pas même des trillions de dollars qui circulent sur lui. Donc, ou pas qu'arrêter en dehors d'Internet, ou pas qu'arrêter dehors, parce que si vous êtes en dehors, ou pas, ou perdu, ou pas, ou pas, ou pas, perdu encore. Il me faut faire ça parce que, et bon, moi, exemple très simple, je ne vais pas parler trop loin, non? Quelqu'un qui a fait 100 000, 150 000, 200 000 dollars américains par an sur Internet. Yeah. Ou plus. Donc, mais il va faire, ce n'est pas parce que le pays est riche par son haïtien. C'est parce qu'il y a des structures de base, courant, Internet, laptop, il y a accès avec eux. Et du coup, il y a vendre des produits pratiquement tout côté parce que toute méthode là déjà c'est nous mêmes qu'on y a qui pour entrer dans le 21e siècle là qui pour entrer sur l'ordinateur yo qui pour entrer vin offrir produit nous yo et intellectuel et tourisme tout bagage ça vers tout le monde là net c'était avec un peu de théâtre d'hier à la nuit dans le niveau et Swans merci et franchement un partage ça, espérer que un pile monde va bénéficier de ça que nous faisons aujourd'hui. Hein. Et bon, oser pour mettre mon c'est une première, c'est une dernière, et on continue à faire une série de conférences comme ça à travers Zoom parce que soit on n'est pas dans le pays, et même si c'est dans le pays, on est capable de toujours utiliser Zoom pour montrer mon qui puissance et technologie en gagner et comment on est capable d'utiliser. Et m'espérer que Swans continue de travailler sous lui-même et continue à apprendre pour qu'il soit capable de toujours porter en plus pour nous-mêmes qui n'avons pas ici en Haïti, pour qu'il soit capable de partager avec la communauté haïtienne. Merci à tous. Ton plaisir. Pour moi même temps. Merci à vous. Et quand on s'est parlé de quoi on a parlé, je souhaite que l'instant va passer par la dernière passée. Nous avons déjà de bonnes chances pour. Et à l'ouvrir l'économie, et puis la plus grande contact, alors l'économie, on va faire nos problèmes, et puis là, pour leur parler encore. C'est un plaisir, on est toujours prêt pour nous discuter toujours. Merci. Ok, merci beaucoup. Bonne journée. Merci.